Donc, je ne sais pas si vous me voyez. En tout cas, je vous place comme ça. Je suis en train d'aller au cinéma. Ça, c'est mon solo date. Parce que demain, Daniel vient déposer ses filles pendant 5 jours chez moi, mon ami Daniel. Et après ça, la semaine prochaine, quand elle aura récupéré ses filles, on va se faire un spa date, Dominique et moi. Il faut que je regarde demain pour acheter le forfait pour nous deux. Parce que c'est important. C'est important pendant qu'on est parents de se réserver des moments où on a des moments à deux. Donc Raphaël sera à la garderie et on va faire garder bébé par soit grand-père, soit ma soeur. Donc, quoi d'autre? Donc là, je m'en vais au cinéma. Je suis aussi en train de vouloir m'acheter un ordinateur pour installer dans mon studio en bas, qui sera mon ordinateur à moi pour faire mes montages maintenant de mes vidéos YouTube sur mon ordinateur. Alors, je suis en train d'hésiter entre m'offrir un Mac ou un iMac. iMac, ça serait comme c'est vraiment la version bureau. Mais si je veux faire des montages quand je ne suis pas à la maison ou quand je vais en vacances, c'est compliqué. Alors que le Mac, je peux le déplacer partout. Donc, j'ai aujourd'hui pour me décider parce que c'est ça. J'ai des possibilités demain ou après-demain d'acheter. Donc, ma séance est à 12h40 et 17h. Je vais aller un peu plus tôt comme ça, j'achète mon billet. J'ai le temps de voir le jus que je veux boire, de m'installer dans la salle et tout et tout. Donc, on se retrouve là-bas. On est arrivé au cinéma. Bon, c'est bon. Hey Kay, là je vais te laisser deux minutes, ok? Ça fait 1h15 qu'on parle. Mais tu as fait comment pour décrocher quand moi je t'appelais? J'ai pas. Salut! Allô? C'est bon, salut, on s'en parle bien vite, salut! Ouais. Comment j'ai fait? Mm-hmm. Ben, c'est qu'il dit, tu reçois un autre appel, veux-tu changer ton appel? Tu peux. Hein? Non, le parfum, sinon, c'est la magie. C'est la vraie magie. Coucou! Le parfum de Libre de Yves Saint-Laurent, là. Maman, la vanille de ça, c'est l'odeur. Les notes de parfum, il y a vanille là-dedans. Et la vanille, là, sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Bref, Dominique m'a offert ça pour mes 34 ans. Donc, il n'y avait pas ça en magasin, ce format-là. C'était, il n'y avait que le 100 ml. Je ne voulais pas 100 ml parce que ça coûtait trop cher. Donc, j'ai pris, je pense qu'il a pris le 50 ou le 60 ml. Du coup, on l'a commandé et je l'avais reçu ce jour-là à la maison. Donc là, je suis en train de unboxing. J'étais en train de unboxer le parfum. Non, vraiment, la personne qui a designé les odeurs du parfum, c'est un bon. C'est un très très bon parce que ça sent bon. Tu mets ça, non. Tu demandes de l'argent même à un sugar daddy. Même l'argent qu'il avait oublié dans un compte aux îles Caïmans là, ou aux îles Galapagos, il va sortir pour te donner. Vraiment, 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 vraiment. Très très bon investissement. Ça va me faire au moins 4 ans. Parce que le dernier parfum qu'il m'a offert, ça, il n'est pas fini encore. Ça fait déjà 3 ans qu'il me l'a offert. Donc voilà, voilà, voilà. Bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui regarde ici. Si tu veux offrir ça à ta copine, à ta femme, à ta soeur, à ta mère. Très, 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 très bon investissement. Ça sent vraiment, 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 vraiment bon. Les cabouilles font asphalter leur entrée. Ils font quoi? Asphalter leur entrée. Hein, asphalter, genre comme nous, là? Mm-hmm. Comme à peu près la plupart des entrées, là. Pourquoi on fait même asphalter tout ça? Tu nous amènes la souffrance? Ben oui! T'as pas oublié la veuve Clicquot, non? Hein? T'as pas oublié la veuve Clicquot, non? La veuve Clicquot, ça va bien! Ça va? Ça va? Qu'est-ce que c'est? Salut Raphaël! Ça va? Je voulais voir Raphaël, non? Donc là, j'ai eu faim,
je me suis commandé du McDo que j'ai fait livrer à la maison parce que là, avec 4 gosses, non, oui, que je prépare. Là, tout de suite, j'ai faim. Il est 15h. Donc ici, j'avais reçu mes nouvelles lumières que j'avais commandées pour mon studio, pour mes vidéos et tout, et tout, et tout. Je pensais avoir pris la bonne taille. Finalement, je me suis trompée. J'ai repris exactement la même taille que ce que j'avais déjà. Et puis, ça m'a fatiguée. Du coup, c'est pour ça que je fais une tête, comme vous pouvez le voir. Du coup, je vais quand même les utiliser parce que c'est mon agent qui a payé. Je n'ai pas envie de le renvoyer. C'est AliExpress et tout. Donc, anyway, lumière sur vous maintenant. C'est ça que je vais utiliser. Bah, tant pis, hein. On est dans le centre-ville de Québec pour aller au salon de coiffure que vous allez voir apparaître bientôt. Voilà la plaque là-bas, Trouvaille d'Afrique. Oh, il y a un livre sur Napoléon. J'espère qu'on va pas me mettre les sabots. Ça y est, on est arrivé au salon de coiffure. Trouvaille d'Afrique. Allez, on entre ici les filles. Attention mademoiselle. Entrez. Anna ouvre la porte. Je sais pas pourquoi ta soeur l'avait toujours forcée alors qu'elle n'est pas capable. Marche, je vais voir derrière. Faire un nettoyage printanier de la piscine parce que la piscine est tout simplement dans un état il y a comment je peux dire, des feuilles mortes au fond, il y a de la poussière. Donc là ce matin, après avoir fait mon contenu, on a appelé les compagnies de nettoyage de piscine
Au Canada, hein, si vous avez une piscine chez vous et que vous voulez faire nettoyer la piscine, comptez environ 500 $ que ça coûte. Donc là, on a appelé deux compagnies pour voir si le prix différait. 500 $ sans les taxes ou avant les taxes, là. Donc, et puis, donc là, on est en train d'attendre que la compagnie nous envoie la soumission pour voir c'est quoi. Attendez, j'ai un appel. Donc, comme je disais, 500 $ pour le nettoyage printanier. Et ça n'inclut pas les produits que la compagnie va utiliser pour ça. Attendez, je vais vous mettre sur le trépied. Hein, parce que je vais vous mettre sur le trépied. Ça va être mieux, là. Parce que j'ai plein de choses que je veux faire. Donc là, j'ai tourné du contenu pour ma chaîne d'immigration YouTube tantôt. Je ne sais même pas si vous me voyez bien. Je vais mettre la lumière. Donc, je dois éditer ça. Je vais l'éditer. Je pense que là, vous devez... Sorry. Je dois l'éditer. Attendez, je ferme la porte. Parce que les enfants de mon ami sont encore là. Donc, je dois éditer la vidéo pour la mettre en ligne d'après mon calendrier. Parce que je me suis fait un calendrier maintenant de quand je dois filmer, quand je dois poster. Donc, ici, c'est les jours où je filme tout mon contenu, les mardis. L'éditage, je le fais le mercredi. Bon, là, j'ai fait lundi parce que demain, je suis occupée. Je dois aller aider ma soeur pour payer son école. Et donc, je dois mettre en ligne les jeudis. Les jeudis, puis voilà. Et puis, le weekly vlog, ben, c'est la ligne ici, là. Je fais le weekly vlog. Donc, techniquement, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est le weekly vlog. Mais bon, c'est ça. Donc, parce que quand tu veux faire les choses sérieusement, eh bien, il faut avoir une discipline. Donc, c'est ça. C'est mon weekly planner agenda pour tout ce qui est création de contenu. Donc, là, j'ai fini mon contenu, comme je disais. J'attends que Daniel vienne chercher ses filles et j'attends aussi que la compagnie nous envoie la soumission parce que je vais faire ça. Si Dominique m'écoutait et qu'il faisait les choses, s'il était... C'est vrai que dans un couple, vous ne pouvez pas être tous les deux pareils. Parce que si Dominique était comme moi... Attendez, je vais vous déplacer, je vais vous mettre ici. Si Dominique était comme moi, parce que moi, je suis une personne action, action, action. Quand je pense à quelque chose, je le fais tout de suite. Je déteste attendre pour faire des choses. Dominique, lui, c'est quelqu'un qui se laisse... vivre. Et en ce point-là, il ressemble à mon père et c'est un trait de caractère que je déteste tellement chez mon père. C'est les gens que tu dois fouetter pour faire des choses comme... Ça m'énerve! Ça m'énerve! Je vais mettre un peu de désodorisant dans ma pièce, là. C'est un désodorisant, d'ailleurs, que je commercialise, hein. Je le vends. Pour vos intérieurs, ça sent bon, c'est à... Pink Grapefruit and Moroccan Mint. So, la menthe marocaine et qu'on appelle grapefruit. Donc, c'est ça. Parce qu'il faut travailler dans un environnement qui sent bon. Donc, je le commercialise, je le fais venir, je le fais parvenir au Cameroun. Hein. 10 000 francs. Anyway, si ça intéresse quelqu'un ici. Donc, bref. Donc, c'est ça. Bref. S'il avait fait ce que je disais depuis le début, excusez, c'est ma période blabla dans le vlog, parce que je vais un peu blablater là, je parle pas souvent beaucoup avec vous, je vous montre plus des choses, donc là je vais blablater. Si ça fait, s'il avait fait ça depuis 3 mois que je lui dis, fais, au lieu de toujours me renvoyer au calendrier grec, ben on serait pas en train de vouloir dépenser 500 $ pour ça. C'est ça aussi l'entretien d'une maison, si tu ne fais pas quelque chose tout de suite, ben après tu te ramasses avec des gros coups. Donc là, bah c'est ça qui est ça. Parce que moi, je suis tannée de voir une piscine qui a des fleurs, du sable dedans et qui est un peu verdâtre parce qu'il est là, il ne veut pas se bouger. Donc, fait que là, je prends le taureau par les cornes. Et c'est ça. Maintenant, je suis obligée de le mettre devant le fait accompli. Je prends mes décisions, je fais et puis bam, c'est ça. Pour la maison, c'est ça. Donc là, je vais aller attendre Daniel. C'est une fois qu'elle va prendre ses filles que je vais me démaquiller. Et quand même, il fallait que je fasse quand même une partie du vlog. Je vais quand même rentabiliser ce make-up parce que yo... Je suis toujours un genre ici. Donc, je vais attendre que Daniel vienne chercher ses filles pour après me laver et faire ma routine du visage. D'ailleurs, j'ai tourné une petite vidéo sur Instagram où je vous montre un peu ma routine. Hein.
avec les produits, le sérum à la vitamine C de chez Garnier, la crème de jour à la vitamine C de chez Garnier et la lotion micellaire de chez Garnier aussi. Donc, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je ne sais pas ce que tu attends. Vraiment, là-bas, je fais des débats. D'ailleurs, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, le débat sera passé, mais il y aura un autre débat au moment où vous verrez cette vidéo-là. Je l'ai gardé au chaud. Donc, c'est ça pour ça. Ouais, on va y aller là. Like the power one, I go be to change your catwalk and change your life joint. Every day not to enjoy. Open and close like a laptop. Anytime you holla, make I come through. I go tell my guys, tell my note they come soon. Back on me see, make my eye too. Many girls get, but now you I want to. I'm about to re-see my pig because I'm about to go out with the baby. Je voulais... Gotta make you feel blessed. Give you daily blessings. Tonight, nothing serious, so we just one flex. God, bad man confessing. Girl, I wanna talk about the things that we go through so chill. My love is all you have. Oh, faut que je te range, toi. Ensuite, oh zut, il faut que j'aille. Oh, mommy, make me jam. You're in the mix with DJ Nana. Choro, 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 choro. Choro, 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 choro. I'ma say your love, say now winnie winnie wanna wanna your love, they do me this night, yeah. I need your grace, me never relent, my love no get shame, no matter the case, but my music give me bass, my sweet sweet bass, so my love no get shame, for you all day, every night, every day, every day. Me go need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah. By the time,
how you did. When you did wake up in the morning, man, I did buy you cypher. Make you fall for me. Oh yeah, yeah. Je pense qu'ils ont mis dans le calendrier jusqu'au 19. Ça veut dire que entre aujourd'hui et le 19, ils peuvent venir faire les travaux. Faut que j'explique ça à Dominique parce que j'avais compris croche. De toute façon, je parle beaucoup comme ça. Pourquoi je vais mettre la musique sur la partie ici. Je vais mettre la musique sur la partie ici. Oh, fais chier, tabarnouche. I got my wigs everywhere. So, on va s'habiller. Mais avant de s'habiller, je vais ranger cette perruque dans le sac de rangement. Ok? Ok. On est chez Tata Ashley. Coucou. Aïe. Oui. Oui. Son père a réussi à se débarrasser de lui. Oh, tu as la télé? Mec, c'est bien ici, hein? Non, tu as même les manettes de la Wii. Tu as la Wii. Papa. Bah, je sais pas chercher la télé. Bonne santé. Bref. Je vais vous poser l'instant gracie. Elle est beaucoup plus tôt. Je vais vous poser là. Qu'est-ce que c'est? Elle a des papiers inutiles partout. Il faudrait que j'ai tout fini. Je vais les ranger. Je n'ai plus dit son ménage. Ça, c'est le sac que je lui avais donné. Mais j'en ai moins encore mené. J'ai envie de récupérer. Bon, je vais changer mon fils. On te voit tout à l'heure. Viens ici. Excusez. Ça va, tu es correct? Il manque un paiement de 200 pour sa façon. Tu as fait combien? Deux. Tu pouvais pas faire une fois? Depuis passer 200 la limite. Ah!